Allez, venez. On est ensemble aujourd'hui, messieurs, plus que jamais. Hein. Ok? On sort de ce terrain avec aucun regret. On leur montre qui on est. On est des petits jeunes qui ont la dalle. On a la dalle. Le monde va vite. Retenez. Là, c'est pour ça qu'ils sont dans le but, parce que t'es encore derrière, mon grand. Intérieur, Nat, ferme intérieur. À partir de mardi, je veux voir tout le monde à l'entraînement. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Vous n'allez pas toucher un ballon. Je vous le dis clairement, vous n'allez pas toucher un ballon. Peut-être un ou deux, parce qu'on n'aime pas faire du physique sans ballon. Mais croyez-moi que si vous voulez qu'on roule sur la D3 cette année, avec la prépa qu'on a fait, il va falloir donner des bouchées de poing. Jouez ça, top. Oui, top. Ouais, super. Non, donc là, on vient de se faire sortir de Coupe de France. On vient de prendre 8-2, un 8-2 bien sévère et bien dur, parce qu'on a joué Paris 15 et Paris 15 a été très carré et nous a respecté jusqu'au bout. Hein. Et donc là, l'idée, c'était que cette semaine, là, il fallait rebondir un maximum et préparer le match de Morcourt au mieux. Sachant que Morcourt, on avait une petite... ça fait quelques années qu'on se suit maintenant. L'année dernière, ils n'étaient pas dans notre poule, mais il y a deux ans, ils étaient dans notre championnat. Eux ont fini premier et étaient sûrs de monter avant nous. Et nous, on avait encore des choses à jouer contre eux sur un des derniers, l'avant-dernier match, il me semble. Et donc, du coup, on les retrouvait. Et on a gagné ce match-là, d'ailleurs, à la 85e, je crois, d'un but de Mastia. C'était un bon moment. Et donc, on a enchaîné ce match assez tôt, donc on espérait bien rebondir dessus. Quoi. Les gars, il n'y a pas grand-chose à dire aujourd'hui. Je pense qu'on affronte une des plus belles équipes de la poule. Nous, on les a déjà joués il y a deux ans, ils ont fait chier. Moi, tout ce que je veux aujourd'hui, c'est gagner ce match. C'est une équipe qu'il faut battre aujourd'hui. C'est archi important pour le reste du championnat. Il faut leur montrer qu'on va être dangereux toute la saison. Et surtout, les gars, il fait chaud. Gestion, temps fort, temps faible. Si on voit qu'on est un peu plus dans le dur, on prend notre temps pour la relance, tranquillement, on pose le jeu. Et si on sent qu'on est bien physiquement, on va les presser haut. Ok les gars? Et voilà. On est chez nous les gars. On est chez nous. Les gars, je veux juste voir un collectif les gars. Ouais, c'est important les gars. On s'épaule, on s'épaule, on s'épaule, on s'épaule, on s'épaule et on fait les efforts tous ensemble. Les gars, c'est juste ça. Ils mettent de la durée, les gars. Ils varient le jeu les gars, parce qu'ils mettent trop tout le temps de la même façon. Allez les gars, montrez aujourd'hui, c'est important. Allez gars. 1, 2, 3. Comment vous êtes? Allez gars, allez. Et donc c'est parti. J'ai cru voir une main, mais bon, ça joue, Nathan qui peut développer sa pointe de vitesse. Il tente de servir Shams, Shams n'est pas en jeu, Shams se présente face au gardien. La parade du goal. C'était Shams, c'était affiché ailier gauche, mais là il est plutôt avançant. Et Nathan à son côté droit. Oh attention. Oh Shams. Est-ce qu'il va faire la passe? Cette fois-ci, il fait la passe pour Nathan dans la surface de réparation. La frappe de Nathan! Et là, du coup! Le coup franc. Oh, il passe devant tout le monde. Attention! Le dégagement. Il y a touche. Attention, mon recours là qui tente un centre. Deuxième poteau. Il est seul. Attention! En rentrée, la frappe. Elle est contrée par Djibril. Attention! Ça a été couvert. Shams qui. Oh. Il commence à jongler avec sa tête. Oh là là, il nous a sorti d'artillerie lourde là. Oh, Nathan est pris par un patron. Oh, il y a faute. Parce que la vie. Vous rigolez ou quoi? 0-0. On a pu voir hier par exemple à Clermont. Allez, Nathan. Pour Mastias, c'est bien joué. Alors quel ballon? Nathan qui frappe. Oh, l'arrêt du gardien, mais le gardien il est chaud bouillant aujourd'hui. Allez, Yacine qui va le botter directement. Le gardien encore une fois. C'est remarquable. Alors, Yacine qui va botter ce corner. Il est rentrant. Oh là là. Ce qu'on veut. Bien joué ce ballon. Oh, c'est pas fini. Oh, Shams a été surpris. Oh, Yacine qui tire pas.
Oh, mais pourquoi il a pas tiré, c'est incroyable. S'il vous plaît, pour les majuscules, merci. Ouh, y'a personne qui la reprend. Si, y'en a tant qui la reprend. Maintenant qui frappe. Ouais, le but. Oh là là, le but arraché. J'ai mis deux équipes marques. Voilà. Fais chier, on se calme. On se calme. Fais chier, on se calme. Hein. Vous êtes 219, merci à vous. Et donc 1-0 pour le Vizca FC à la 45. Je crois qu'il va en laisser une dernière. Pour cette première mi-temps, Macias, hop là. À gauche. Oui, 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 oui. Yacine n'est pas en jeu. Yacine n'est pas en jeu. Yacine n'est pas en jeu. Il a levé la tête. Il est dans la surface de réparation. Il a tenté de jouer en retrait. Deuxième, deuxième. Il va tenter peut-être au deuxième poteau. Je crois que la balle est sortie. Ouais. Elle est sortie. Allez, les gars, les gars, les gars, gardez votre énergie. Gardez votre énergie. Baissez les chaussettes. Enlevez les protèges. C'est chaud là. Allez, allez, allez. Taisez-vous, taisez-vous. On joue. Franchement, super bien. Il y a de l'envie. Tout va bien, il y a juste à marquer des buts. Ne vous prenez pas la tête devant le but, les gars. Ça va venir, ça va venir. On est frustré sur le côté, c'est normal. Parce que vous êtes dans le but, devant le but presque toutes les deux minutes. Et ça rentre pas. Le gardien est pas mauvais. Il faut dire qu'on lui tire un peu dessus aussi. Hein ? Le but, c'est de tirer là où il y a le plus d'espace, vide. Enfin, je me moque un peu de vous. Mais les gars, c'est très bien, il faut continuer comme ça. Hein. Maxime regarde. Je lui dis que je sens pas du tout votre entame de match. Je le sentais pas du tout. Il me regarde, il me dit bah j'ai quand même l'impression qu'ils viennent de mettre en place ce qu'on a vu jeudi et ils ont l'air d'être dedans. Donc c'est preuve que ça va rentrer. Plus on va travailler, plus ça va rentrer. Soyez bienveillants envers vous et continuez comme ça parce que sur le côté il y a des joueurs sans, même pour nous, même pour vous les coachs, vous l'avez bien vu. Le début du match c'est notre faute, c'est pour nous, on n'est pas bien. Voilà. Problème personnel, on a mal dormi, on s'est pas réveillé correctement. Vous avez assumé. Vous avez assumé. Donc c'est bien. Continuez à travailler, ne vous relâchez pas, surtout ne vous relâchez pas, et s'il vous plaît maintenant, comme l'a dit Maxime, deuxième mi-temps, premier quart d'heure, vous appuyez. Allez, on est bon mouvement, on va se mettre prêt là tout de suite pour la deuxième bataille, là. On leur montre qu'on est là. On leur montre qu'on est là. Maintenant. Merci chef. Deuxième mi-temps entre le Vizca FC et Morcourt, 1-0. Le Vizca FC, les équerres, 4 balles justement. C'est à la 45e minute. Je vous envoie la prédit dès qu'il y a un arrêt de jeu. Peut-être maintenant, attention avec James, peut-être pour la balle de 2-0. James qui passe devant le goal. Il faut finir maintenant. Il faut finir maintenant. Et c'est ce qu'il fait. Une shit pour la fini. Ah, c'est un bon MY, ça qu'on attend. Oh, très très haut, très très haut. De Dylan. Il faut regarder le ballon. Il se bat. Attention, attention, il tente sa chance, ça frappe. De revenir dans le match, le corner, la tête. Herman nous sort une parade. Alors là, celle-là, j'ai vu Herman faire les... Merci Théo pour la précision, mais ce sera la carrière sur scène le 15 octobre dans le sport. Emir qui touche un de ses premiers ballons, le centre, Chem, ça la balle. Arthur. Il rentre. Herman. Yacine peut-être pour le 3-0. Est-ce que Yacine peut marquer le 3-0? La réponse. Oh, incroyable. Une bonne ambiance.
Voilà, exactement. Comme c'est mentionné. S'il y en a qui sont pas contents, ils dégagent. Exactement. C'est encore en lice pour la Coupe de département. La Coupe des Yvelines, oui. Et ça sera le 15 octobre pour Carrières-sur-Seine. Assuré par terre. C'est pas fini. Oulala. Faut tirer. Mais faut tirer. Oh là là, mais c'est pas possible, incroyable. Oh, jusqu'à FC qui a failli. Bah. Non, pas encore. Attention, parce que ouais, après lui c'était ski hurlant qui cheat. Allez, bien joué. Allez, parce que ça fait long. Parce qu'il a changé de côté. Sur la gauche, à droite. Ah, il a changé de côté. C'est terminé. Là, on est en bas de l'appart, on va aller chez le président du club de l'Inter de Montréal avec qui on organise le tournoi et on va aller faire le tirage au sort des poules en fait pour voir les poules, les 8, oui il y aura des poules effectivement. Cool, ouais. Donc on verra bien contre qui on va jouer dans le tournoi pour commencer et voilà, on espère. De toute façon, on connaît pas les équipes, donc on n'aura pas vraiment de réaction en mode le seul équipe qu'on connaît c'est l'Inter de Montréal. Donc on verra bien. On espère les... Ce sera pas mal d'être de les avoir dans la poule, ouais direct, prendre dedans. Le chat, on va essayer de lire le chat en même temps. Salut Fratello, c'est un abonné très fidèle du club. Je suis avec François à côté de moi qui est le président de l'Inter de Montréal, qui est le club avec qui on a collaboré pour organiser cet événement, ce tournoi. Exactement. On a créé un petit logo, donc le logo. Enchanté tout le monde. Le logo est ici de leur club. Voilà. Et on a créé avec le logo du Vinsky FC ce logo pour la coupe qui rend très bien. C'est un club qui compte une centaine de licenciés après 3 ans. On essaie de grandir comme vous. Ouais. On a nous aussi notre petite notoriété ici, ce qui fait plaisir. Et puis voilà, et puis on est parti sur ce partenariat parce qu'on s'entend tous bien, c'est ça, je pense. Et on part sur un tournoi qui va devenir un festival à Montréal. Avec Banjos FC, Montréal City et Top Boys. Et Top Boys, voilà, ça sera la poule A. Là, on a la poule B. La poule B, c'est Arsenal de Montréal, Vinsky FC, Inter de Montréal et FC Tugalik. Alors, la reconnaissance ? Écoute, la pluie de ce soir et de demain va faire du bien. Mais non, c'est pas mal, un petit terrain. Ça va être sympa. En 7-7, normalement, au Canada, t'as pas le droit de faire de tacle. Ils veulent pas de tacle l'hiver. Ah ouais, ouais. Et nous, on a dit non, on est sur l'herbe, il est hors de question qu'on joue. On va jouer avec bizarre, les tacles. Il faut bosser, les gars, maintenant. Trop bien. C'est là que va se jouer le tournoi de dimanche. Voilà, vous avez devant vous les deux terrains. Donc, c'est du 7-7. 25 minutes les matchs, ok. C'est 6 joueurs sur le terrain, un gardien. On aura 3 remplaçants normalement, voilà, donc on sera 10. En gros, on est 7 du Vinsky FC et 3 mecs d'ici qui vont venir nous aider tout simplement. Là, franchement, je suis content du lieu parce que là, je l'ai découvert. Il y a les mecs de l'Inter de Montréal qui nous ont un petit peu montré comment ça allait se passer. Il y aura de la musique, il y aura des rappeurs, etc. Des gens d'ici, des locaux. Donc franchement, c'est trop cool. On est vraiment pressé d'être là dimanche, quoi. Shems qui sera parmi l'équipe, qui jouera. Aussi Raph qui tient la caméra, qui sera gardien. Eh ouais. Donc ça va être très très cool. On est en train de régler tous les derniers détails techniques pour le live parce que tout sera retransmis en direct. Mais en vrai, ça va être très très lourd.
Voilà, la pelouse, bon, c'est pas le Parc des Princes non plus, mais elle est quand même très bien, c'est une pelouse du coup. Et en plus, il va pleuvoir un petit peu, donc au final, ça va l'arroser un peu. Donc on est bien, on est même très bien, je dirais. On est en live ? Voilà, c'est bon. T'as Lyon ? Oui, ça va. Bon, après, au moins 3 bonnes heures de setup des lives parce que c'était compliqué. C'était très compliqué là, mais c'est bon, normalement tout marche. Vous êtes en waiting screen et ils vont commencer dans quelques minutes. Là, il y a eu un match et en plus, on a gagné donc ça va, c'est cool. Par contre, Romain, il veut plus jouer. T'as fait du catch, toi, hein? La bagarre. Raconte-nous un peu, parce que du coup, le premier match n'est pas filmé. Est-ce que ça en dit long suffisamment sur mon état fétif, hein? Fétif va me tuer. Non, match. Ah ouais, il va falloir que tu repayes un maillot au joueur. Fétif va me tuer. Non, laisse tomber, c'était un match difficile. Le premier match, on gagne, avec deux beaux exploits offensifs. C'était cool. Et après, défensivement, on a pris. C'était assez athlétique, hein. On a pris des coups derrière avec le petit Vincent qui est là. On a pris des couilles, comme tu vois, il y en a encore, je crois. Ça fait guerrier là, ça fait bien là. Ça fait guerrier un peu bien le sang là. J'ai un beau coup. Mais du coup, là, mon tournoi est fini. Du coup, apparemment, je vais reprendre l'avion pour rentrer chez moi. Bon, toi, double buteur ? Raconte-nous un peu tes buts. C'est vraiment dommage que ça n'a pas été filmé. Parce que là, Vincent, il met un petit extérieur et retourné du milieu de terrain. Du coup. Les menteurs. C'est vraiment dommage que les deux ils étaient vraiment incroyables. Mais bon, on espère que les prochains seront filmés.
people really wanna know who I is and who I be. They stop and stare when they see me. If a sitter wants no need to repeat, run up on me, watch you fall to your knees. Tip my hat when it's time for the kill. Ain't no peace when you're really real. I am the boss, I am the dawn, I am the one they call Lucky Charm. Got my own shit, I don't need your farm. Life was so hard, it made me weak. Built to last, this girl ain't weak. Sturdy and still when I plant my feet. Got it out the mud, now it's wrecked in my sleep. Alors, est-ce qu'on va pouvoir revenir sur ce qui s'est passé parce qu'on prête des joueurs? Non, attendez, attendez. Ils ratent des pénaltys face à leurs copains. Mais non, arrête. Et les pénaltys, ça se tire au milieu? Mais non, mais il plonge à droite, c'est là que je vais tirer. Je vais tirer à droite. Il plonge à droite, donc tu tires à droite, c'est pas logique. Au milieu du coup. Je vais tirer. Ouais, désolé les gars. On a gagné. Faut que je trouve le gardien. C'est sûr, ils ont négocié un truc ensemble. Ce soir, il te paye un coup. Si le gardien paye un coup, Mika, ce soir, c'est que. Je connais pas le gardien. Bon, une Sky, deuxième match. On a bien joué. J'ai mis le but, j'ai mis le but avec le pressing. C'était plaisir. Pas de notes sur la célébration. Non, je sais pas. Pas de célébration. Non, il y a 4-1. C'est normal, tu vois. On continue à mettre le score. Mais je suis trop content. On est bien solide. En plus, on perdait 1-0, donc ça a montré qu'on avait le mental pour revenir. Parfait, nickel, franchement, je suis content. Et Raph, tu peux arrêter de croire que tu joues Cristiano Ronaldo et de mettre des dégagements à 4 mètres de hauteur. Non, mais il a raison, ça montre le bloc. Le vent, il est horrible. Non, mais c'est bien. Hein. Deux matchs de victoire, on est qualifié. Avec les gens, comme ça. Car comment ? La légende ! La légende Vinsky. Hein. Quand même, il y a des Montréalais qui sont là, les gars, vous êtes venus. Merci beaucoup, les gars, pour le soutien. Vinsky, on t'aime. Ça fait plaisir, merci beaucoup, les gars. Vous habitez à Montréal tous ? Ouais, exact. Vous jouez en club ou pas au foot ? Ouais. Ok, d'accord, vous êtes en quelle catégorie ? 3. 3 ? On est perdu, nous ! On est Merci beaucoup pour le soutien, en tout cas, et bonne journée, les gars. Merci beaucoup. Dead to me, R.I.P. buried. 무리들이 몰려온다 사자 해라 미리. Dead to me, R.I.P. buried. 무릎 꿇고 고개 숙여 반성해라 피리. Wait up, 잘못 오셨네요. 상관없는 자에게는 묻지 마세요. 성격 끝이 쉽고 and I live to tell the tale. 모시 바뀌게 얘기했지만 coffin and a nail. Buried so deep in your excrete. 누구 탓해 다 네가 한 짓. I've been mute, I've been discreet. 알만한 사람 다 알아. Dead to me, R.I.P. buried. Angry mob coming for you, pitchforks ready. Dead to me, with no Hail Marys. 이미 뜯겨 버림 없는 no casket necessary. 무리들이 몰려온다 사죄해라 미리. 무릎 꿇고 고개 숙여 파생해라 피리. 거짓말에 말려버려 왜곡된 사실이. 고삐 풀린 말이 되면 너는 내게 시신. 어떡해요 다 걸려버렸네요. 요즘이 어떤 시대인데 그런 짓을 해요. 막나니처럼 막 나갈 때 언제 꼽으세요. 이제와 후회해봐도 달라질 건 없네요. Buried so deep in your excrete. 누굴 탓해 다 네가 한 짓. I've been mute I've been discreet. 알만한 사람 다 알아 not in these streets. 시끄벅적 동네 시끄럽네요. 시끄벅적 화난 사람 많네요. Come on, hit you and gun. They coming for your ransom. Now I just call you lawyer. No maga, can't do nothing for ya. I said come on, hit you and gun. They coming for your ransom. Now I just call you lawyer. No maga, can't do nothing for ya. Dead to me, alright. This time, one time. Can't make a promise, but I do my best. 25 sitting on 25 racks. Just got started, no, we ain't done yet. But a new crib, that's a goddamn flex. Sign that check. Told him last year that I've been up next. Can't take calls, but I send that text. From way downtown, but the shit's still wet. Yeah, that's a guarantee. King of the city, man, they knowin' that it's me. ADM here, still doing it with ease. Cause it ain't that hard when I'm talking about me. Me and my funds, told him I get what I want. I need my money up front. I do not do this for. Alors, un petit débrief d'après-match.
Ouais, bah là j'ai bien le seum là si tu veux, tu vois. Ah, justement c'est ça que je veux. Petite amertume, tu vois, là, quand tu te fais, t'as l'impression de te faire un peu voler. Enfin ça a bien joué en face, mais je sais pas, c'est l'arbitre comment il gère les matchs. Bon après ça va, nous on joue un peu sans pression, peut-être que c'est pour ça aussi. D'un côté on était, on a un peu relâché sur ce dernier match et puis on était trop désordonné à un moment. C'était ouais. N'importe quoi. Je pense que dans nos têtes on a lâché et puis après c'était n'importe quoi, il n'y avait plus de poste et tout. C'était... Mais il va falloir, on va bien se remettre, on va se remettre sur rail pour le quart là. Ça va... ouais, c'est ça. Je pense okay. Qu'en vrai on peut faire quelque chose. Hein. Même ici tu prends trop de cartons. Il s'est passé quelque chose, il hein y a eu un match. Ah t'as pas joué? Non j'ai pas joué. C'est Brahim l'a pris rouge. Après Brahim il est un peu nerveux. Tu vois, il prend un, deux coups, un pénalty refusé, une main refusée. Ben voilà, il a applaudi. Mais sachez qu'à Montréal, applaudir est synonyme de rouge. Le fair play avant tout les enfants. Ayez ça en tête. Ne soyez pas un vieux con comme moi. Putain. De l'autre côté, oui. Et le but, le but de Gabriel. Raphaël, super, oui. Je suis tombé sur la ligne, j'ai dégagé. On peut pas laisser les attaquants tout seuls. Oh non, doing it real time, love to pull an idea out thin air, act on
Bon les gars, vous avez dû le voir du coup avec les images, malheureusement on a perdu 3-0. Je pense que ça se valait à peu près en termes de niveau, je pense que c'était très bon devant le but. Ouais, très bon, et aussi en défense, vous avez été solide. Il y a eu des moments forts qu'on n'a pas réussi à concrétiser, je pense que j'ai fait deux frappes, il y en a une qui partait pas mal mais il y a un défenseur qui te la sauve. Ouais. Et en deux tu fais un super arrêt aussi, je tire à rater. Ouais, quand vous jouez vite le coup franc, ça rend fou de louper ça, mais c'est pas grave. On a été le plus efficace c'est ce match-là. Ouais, en fait c'est ça. D'accord. De la journée là, c'est notre. De toute façon, vous savez, dans le foot, il faut être efficace dans les deux surfaces, ils l'ont été, donc bravo à eux. Donc c'est le club de Montréal City qui remporte du coup la compétition. Et là je suis en fait avec le gardien qu'on a affronté. Et c'est marrant parce que pour ceux qui suivent vraiment le Vinci KFC, on a fait une vidéo à l'US Cerisier. Et ben toi tu viens de là-bas. J'ai joué il y a 16 ans peut-être maintenant, parce que ça fait 14 ans que je suis au Québec. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à toi. Bravo à vous pour la victoire. Malheureusement on a perdu en finale. Bon après voilà, on a donné le maximum. Et ça va se passer cette année, mais peut-être une autre édition, pourquoi pas. Morène. Alors. Bah c'était grave cool hein. Montréal c'était le feu. On a bien kiffé, franchement c'était grave bien organisé. Merci encore à l'Inter Montréal, franchement ils nous ont régalé toute la journée. Et puis voilà, on espère que ces trucs qui vont se reproduire, que ça va faire parler. Et que. Tu vas me laisser en chien, mais écoute. Le VTI FC! Bien joué Raph! Bien joué mon gars! J'ai pas eu le prix du fair play! C'est quoi cette histoire? Encore une défaite en finale, j'en ai marre! Soir! Encore toi, je me saisis! Tu vas avoir des crampes à force de monter les marches! Bien joué les gars! Bien joué les gars! Merci à vous, et à très vite. Merci beaucoup. 1, 2, 3.